Salut, tu vas bien? Une nouvelle vidéo et cette vidéo, écoutez bien, elle est particulière. Il y a à peu près 2 ans, j'avais créé une chaîne YouTube appelée Val vous anime. Et en créant cette chaîne YouTube, je me suis dit, bah dedans, je vais mettre que des vidéos liées à l'animation BAFA by FD. Parce que j'en fais depuis que j'ai 16 ans, c'est quelque chose que j'adore. Et en fait, j'ai vite remarqué que, gérer 2 chaînes YouTube, bah c'est la merde. C'est vraiment galère en fait. Et vu qu'après, j'ai déménagé sur Paris, bah je me suis plus concentré sur ma chaîne principale liée à l'humour et le spectacle. Et j'ai vite délaissé en fait ma chaîne secondaire. Et en fait au bout d'un moment il y a des personnes parmi vous qui me disaient: ouais, ce que tu fais j'aime bien, mais je voudrais bien que tu refasses un peu des vidéos sur l'animation parce que j'aimais bien ce que tu faisais. J'ai ressorti 2-3 vidéos par-ci par-là mais pas régulier sur ma chaîne d'animation. Et en fait ça vous a vraiment plu. Et moi j'avais donc une envie, c'est de continuer. Mais après je me suis dit mais ça n'a pas sa place sur ma chaîne principale en fait. Et en fait il y en a parmi vous qui m'ont dit: mais t'en fous, c'est ta chaîne, fais ce que tu veux. Si t'as envie de parler d'animation tu parles d'animation, si t'as envie de parler de spectacle, tu parles de spectacle. Et donc à un moment je vous ai écouté et en fait j'ai testé 2-3 vidéos sur ma chaîne principale d'animation et là pareil ça vous a plu. Et en fait j'ai fait de plus en plus de vidéos d'animation sur ma chaîne principale et là ça fait 2 mois que j'ai fait ça. Et en fait, alors je sais que ce n'est qu'un chiffre, mais en l'espace de 2 mois j'ai gagné quasiment plus de 150 abonnés. Ça prouve que des personnes a aimé ce que je fais, c'est un grand kiff et je vous en remercie vraiment. Et donc en fait ça donne quand même envie de me dire de faire encore plus de vidéos d'animation et de faire moins de vidéos de spectacle, vu que c'est ça qui marche. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Soit je vais faire beaucoup plus de vidéos sur animation, moins de spectacle. Dites-moi dans les commentaires. Quand je dis que cette vidéo est particulière, donc en fait ma chaîne secondaire elle est morte. Je vais plus poster de vidéos dessus, elle est morte, vu que maintenant je m'en fous. Si je veux faire une vidéo d'animation, je la ferai dessus. Donc en fait ce qui va se passer là dans cette vidéo là et ensuite en juillet puis en août, pour éviter justement d'être inactif, et en fait je vais transférer des vidéos qu'il y avait sur cette chaîne et de la mettre sur cette chaîne principale. Si vous voyez un physique différent, une coupe de cheveux différente, un décor différent, un montage différent, c'est normal. Et je te vois venir, tu vas te moquer, tu vas te mettre dans les commentaires: oh, t'avais pas la moustache avant, t'étais un enfant. Et donc la première vidéo que je vais transférer, c'est un challenge qu'on a créé avec les enfants. Ça s'appelle le Hoop Challenge. Donc c'est un gros délire qu'on s'est fait entre animateurs et enfants. Et j'ai envie de le partager avec vous. Et j'ai envie que ce challenge là, si vous avez un moment de le faire avec vos enfants, et si vous pouvez vous filmer et de le mettre potentiellement sur les réseaux sociaux genre Facebook ou YouTube ou même Instagram, et que vous mettez hashtag Hoop Challenge et vous me l'envoyez, et on veut faire une mini compétition entre centre de loisirs ou colonie de vacances, franchement ce serait un gros kiff. Nous notre record dans mon centre de loisirs c'est 11 enfants. Je vous laisse découvrir la vidéo et le concept de ce Hoop Challenge. Franchement vous allez voir, c'est vraiment un gros délire. Et sinon je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss.